Nous accueillons Rihanna, élève au collège Fontaine-Bouillant. Nous vous avons invité sur le plateau pour parler du problème du chlore d'école. Effectivement, les terres agricoles et cours d'eau ont été pollués pour produire de la banane. Savez-vous pourquoi? Les bananiers étaient attaqués par le charançon. On a utilisé un insecticide pour les tuer. C'est le chlordécone. Comment allez-vous faire? Nous expérimentons au collège une méthode de culture hors sol. On l'appelle l'aquaponie. Qu'est-ce que l'aquaponie? Notre équipe est allée au collège pour en savoir plus. L'équipe aquaponique est constituée de plusieurs parties. On barre les poissons et on barre ou pousse les plantes. Nous avons des tomates, de l'aubergine, du basilic. Et toutes ces plantes poussent dans des roches volcaniques. L'eau est aspirée par la pompe. Dans ces bacs de culture, il y a des bactéries qui vont transformer les excréments des poissons en nutriments pour les plantes. Ce système semble être efficace. Tout à fait. J'invite les Guadeloupéens à faire de même chez eux. Ainsi, ils pourront manger des légumes et des poissons bons pour leur santé. Merci beaucoup, Rihanna. Au revoir et à bientôt.